Charline a invité Jérôme chez elle. Sa mère doit arriver dans les 10 minutes. Du coup, je place une échelle de temps de 0 à 10. Charline et Jérôme vont continuer à regarder des vidéos 3 minutes, ils vont prendre leur goûter pendant 2 minutes, puis ils discuteront 5 minutes. Le temps T que va mettre la mère de Charline à arriver suit une loi uniforme. Oui, mais qu'est-ce qui définit une loi uniforme ? Eh bien, c'est son intervalle. Ici, c'est 0 de 10, puisque la mère de Charline peut arriver n'importe quand entre maintenant et dans 10 minutes. Avant de se jeter dans les calculs, on va d'abord traduire les 3 questions en termes de probabilité, et ensuite, on n'aura plus qu'à calculer ces probabilités à l'aide du cours. On nous demande de calculer la probabilité que la mère de Charline arrive après qu'ils aient goûté. Après qu'ils aient goûté, ça revient à dire qu'elle arrive après la minute 5, donc que le temps T est supérieur à 5. On ne sait pas calculer P de T supérieur à, on sait juste calculer P de T inférieur à. Du coup, l'astuce, c'est de transformer l'écriture en passant par l'événement contraire. 1 moins la probabilité que T soit inférieur à 5. On applique la formule de la loi de densité uniforme et ça nous donne 5 moins 0, borne inférieure de l'intervalle, sur la largeur de l'intervalle, 10 moins 0. Soit encore 5 sur 10 qui vaut 1/2. Et 1 moins 1/2, c'est 1/2. C'est parti pour la question 2. On cherche la probabilité que la mère de Charline arrive pendant leur goûter, c'est-à-dire la probabilité qu'elle arrive entre la minute 3 et la minute 5, soit la probabilité que le temps T soit compris entre 3 et 5. Compris entre, on ne sait pas faire. L'astuce, encore une fois, c'est de faire apparaître des inférieurs à. Donc on transforme l'écriture en disant inférieur à 5, la borne supérieure, moins inférieur à 3, la borne basse. Cette fois, on peut calculer. On a vu que inférieur à 5 donne 1/2, et avec la même formule, on trouve inférieur à 3 qui donne 3/10. Je vous épargne les calculs, ça nous donne 1/5. C'est parti pour la dernière question. On nous demande en moyenne combien de temps la mère de Charline met à arriver. En moyenne, ça doit faire tilt. On me demande de calculer l'espérance du temps T. Comme il s'agit d'une loi uniforme, on peut directement appliquer le raccourci du cours, c'est-à-dire E de T égale à la moyenne des bornes 0 et 10 de l'intervalle, soit 0 plus 10 sur 2, et on trouve 5. Quand on a un exercice de probabilité continue, le plus important c'est d'identifier la loi et ce qui la définit, sa densité, son intervalle ou son paramètre. Ensuite, on exprime les probabilités qu'on cherche, et enfin, on applique les règles de calcul basiques. Supérieur à, on ne sait pas calculer, donc on transforme en 1 moins inférieur à. On transforme x compris entre par inférieur à la borne haute moins inférieur à la borne basse. Et on calcule l'espérance, dans ce cas-ci, en utilisant le raccourci du cours pour les lois uniformes, c'est-à-dire la moyenne de A et B.